Bam. Hop là, comment ça va? Petit coin coin, la forme, tout ça. On m'a rendu, hein, vous allez me dire. Ah bah putain, je suis pas mécontent que cette semaine se termine. Je sais pas si vous avez vu passer. Il y a une news qui est tombée il y a pas très longtemps. Vous vous souvenez de l'histoire là, du papier qui partait en vrille? Qui nous a conduit à revoir nos tarifs, etc., etc. Et ben c'est pas fini. Voilà. J'ai pas plus d'infos que ça pour l'instant parce que voilà, tout ce qu'on sait, c'est que la guerre en Ukraine a créé de nouveaux problèmes en fait sur le réseau de distribution du papier. Ce qui fait que ça peut être amené ou pas à se compliquer. Enfin voilà, là on est dans l'expectative, on attend de voir plus précisément ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas voilà, il y a de nouvelles menaces qui pèsent sur les papiers. C'est-à-dire qu'avant c'était plus une question de on va dire de redistribution un peu du marché vis-à-vis du papier. La musique est un peu trop forte, bah, bougez pas, on va vous régler ça. Hop. Tac, ça devrait être un peu mieux, je pense. C'est vrai que même moi, ça me gueulait un peu dans les oreilles. Attendez. Quoique, si je le baisse vraiment là. Ça va mieux là comme ça? Ouais, ça a l'air d'aller. Ah, attendez, quoique, c'est vrai que j'ai pas arrêté de... Ouais, en même temps, voilà, on va mettre un peu de boost sur le micro, ce sera pas plus mal. Bon. Donc, comme je vous le disais, nous, avant, en fait, on a eu un souci avec le papier. Pour vous résumer, en fait, le papier, pour le fabriquer, il faut de la pulpe. Cette pulpe, forcément, il y en a besoin aussi pour fabriquer du carton, etc., etc. C'est de la pulpe de bois. Le problème étant que, avec les confinements, etc., bah, tout ce qui est commande en ligne et compagnie, ça a explosé. Résultat des courses, donc nous, on nous avait annoncé une hausse, alors je ne vais pas vous dire de bêtises parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était de l'ordre de... Alors, je vais vous dire une connerie, donc je préfère me taire. J'avais fait l'édito dessus et je m'en souviens plus, j'ai honte. Mais bref, on avait eu une hausse significative. De par le fait que voilà, bah, maintenant la pulpe pour fabriquer du papier, bah, y a notamment tous les fabricants de carton qui se bagarrent pour l'avoir, puisqu'il y a une grosse demande de carton d'emballage par rapport à tout ce qui est expédition par la poste, etc., puisque pandémie oblige, confinement oblige, de plus en plus de gens commandent. Ça, c'était le premier problème. Un problème auquel désormais se rajoute la fameuse guerre en Ukraine dont je vous parlais, qui apparemment voilà, vient encore rajouter de nouvelles contraintes à divers niveaux et tout, que je ne comprends pas encore tout à fait, puisque je vous dis, hein, on est vraiment nous dans l'expectative, on attend de voir un peu ce que ça va donner. Mais bref, voilà, donc y a un moment, ce putain de papier, ça va commencer à vraiment nous coûter cher. Donc c'est un peu la nouvelle pas très cool de la semaine. J'espère que vous, ça a été mieux cette semaine quand même, parce que moi de mon côté, on peut pas dire que c'était la joie, mais bon. Et vous, comment ça va? Allez, remontons un petit peu le chat. Crachet de demi, nickel, mais parfait. Voilà ce que j'aime entendre. Le papier est annulé, oui, bah. Nota Bene qui passe sur coucou. Mais coucou, mon cher, coucou, reste. Prends un siège, installe-toi. C'est toujours un plaisir de te voir. Et puis, je crois que j'ai vu... Alors, je sais pas pourquoi ça zoome en même temps à côté, pendant que je scrolle dans le chat, c'est très, très perturbant. Vous voyez, là, je scrolle dans le chat et... et ça me fait des zooms. Merci, Renucu, pour ton abo. Et pareil pour Mlacus, merci. Bah alors, qu'est-ce que ça raconte de beau dans le chat? Vous êtes au boulot ou pas, là? Bon, vu l'heure qu'il est, le week-end doit pas être très long, je pense, pour la plupart d'entre vous, là. On est vendredi, il est 17h30. Hein. Ça devrait être cool. Fini le boulot, oui. Ah, voilà. Freelance à l'appart. Ah, bon, ça c'est le cheat code. Bon, c'est aussi le cheat code pour le burn-out, être freelance, mais bon. Alsace RPZ, c'est férié. Ah ouais? Vous avez un jour férié en Alsace? Attendez, là, expliquez-moi. Expliquez-moi cette diablerie, là.
comment ça se fait comment ça se fait que il y a un jour férié pour les Alsaciens? C'est une province rebelle ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas les mêmes lois qu'en France? Moi, si vous avez un jour férié, je le veux aussi en fait, hein. Il y a 2 jours fériés en plus. Non mais c'est quoi cette arnaque là? Vendredi Saint. Ah, j'y crois pas quoi. Comment je suis deg? Putain, les Alsaciens ont 2 jours fériés par rapport au reste des Français. Va vraiment. Je sais que ça va pas plaire ce que je vais dire, hein. Mais va vraiment falloir qu'on annexe cette petite province rebelle, hein. Parce que là, ça commence à bien faire, hein. On va faire l'Alsace. Dans la foulée, à la limite, on se fait la Belgique. Bon, à la limite, on peut s'arrêter à la partie francophone, hein, parce qu'on sait qu'au-dessus, il va pas beaucoup nous aimer. Une fois qu'on a fait ça, on descend vers la Suisse. Je pense qu'on est pas mal là. C'est grâce au syndicat? Ah ouais, d'accord. Voilà, il suffit de déménager. Bah, j'avoue. J'avoue. Mais donc du coup, enfin, parce que c'est quand même très spécifique. Quand vous avez ce jour férié là en Alsace, tout est fermé en fait. Genre l'Alsace arrête de vivre comme tout reste du pays quand il y a un jour férié, ou ça se passe comment en fait? Parce que vu que c'est un peu un truc un peu local, je me dis que peut-être, voilà, tout le monde ne le fait pas, enfin que ça peut être un peu. C'est un jour férié, donc oui, tout est fermé. Putain, c'est vraiment surprenant. Vraiment surprenant. Et donc ça s'appelle le Concordat, d'accord. Eh bah putain, bah j'aurais appris un truc aujourd'hui. L'Alsace a 2 jours fériés en plus. Salut Ruben! Ah bah exactement, oui, t'arrives au bon moment. T'arrives au bon moment. Salut Bug! Ils ont même leur propre sécu. Non mais là c'est un scandale là. Là, arrêtez tout là. Je bosse avec des Allemands, je préfère quand ils sont en congé. Mais les Allemands sont jamais en congé. L'Allemand travaille. Et quand il est pas en train de travailler, il rentre chez lui et il lance un simulateur. Salut Spacio Ego et merci pour ton abo. Bon alors ça fait quoi ce week-end là? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Qui fait quoi? Ça va jouer, ça va sortir, il fait beau là. Là, vous allez pas me dire que vous allez rester enfermé là. On a un temps magnifique, c'est une parfaite occasion d'aller se taper une rando de 4 heures, de revenir avec des ampoules, avec des coups de soleil dans la nuque, enfin génial quoi. Rien, Oli, s'il te plaît, s'il te plaît. Elden Ring, ouais, bah ouais, bah ouais. La famille, bah ouais, Planet Crafter, bah ouais. Chez les grands-parents, la famille aussi, eh ben. Je vais continuer à me faire fumer en boucle sur Tarkov du coup. Bah, eh, blam, peut-être qu'on s'est croisés. Hein. Oh, c'est Tarkov hier soir, je jouais avec un pote. Il m'est arrivé un truc, mais, mais le truc de film, quoi. J'ouvre une porte qui normalement est fermée à clé. Donc, j'ouvre la porte, déjà, je tilte pas qu'elle n'est pas fermée à clé. Parce que normalement, mon perso aurait dû sortir la clé pour l'ouvrir vu que j'avais la clé. Donc, j'ouvre la porte, déjà, je calcule pas, j'ai le couloir. C'était sur Big Red à Customs, pour ceux qui connaissent. Vous savez, pour les bureaux qui sont à l'étage là. Donc, j'ouvre la porte. Je tilte pas que la porte est ouverte. J'avance. J'ouvre la deuxième porte du premier bureau. Et je vois en face de moi un mec accroupi qui me regarde. Mais il y a bien 3 secondes qui s'écoulent, quoi. Et pendant 3 secondes, je suis là dans l'encadrement de la porte, je bouge pas. Et puis je dis à mon pote, bah tiens, il y a un mec là. Et forcément, je me fais fumer. J'ai pas réagi, quoi. Je vois le mec qui est là, qui est assis au milieu de la pièce avec son flingue à la main. Je rentre, il me regarde, on se regarde. 3 secondes de flottement et il y a un mec, pan. Bah voilà. Je vois des amis ce week-end, ça va être cool. Ah, génial!
Tiens, on va changer un peu de pièce. Ça fait un petit moment que je l'ai pas lancé, je sais plus comment ça fonctionne. On va finir par retrouver pièce, paf. Tac, c'est ce qu'on avait commencé à aménager, ça je crois, non? Ça ressemble, mais je suis pas sûr. Oui, effectivement, ce week-end, il y a Speedon. Bah, ce cycle, j'ai envie d'y croire, mais, voilà. Pour moi, Tarkov, ce qui me plaît, c'est pas tant la mécanique globale d'extraction, un peu en mode, comment je pourrais dire, en mode... je vais y arriver, je suis fatigué, c'est la fin de semaine. En mode PUBG, là. Je perds mes mots. C'est une horreur. C'est une horreur. Aidez-moi, au secours. Putain, c'est pas vrai. En mode... Ah, la vache. Battle Royale. Oh là 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 là, non mais hey. Donc voilà, c'est pas tant la mécanique Battle Royale moi qui m'amuse. C'est plus le packaging complet, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est vraiment qui est sans concession, qui est vraiment qui est dru en fait. C'est un jeu qui est bourré d'aspérité. C'est-à-dire que bah voilà, dans le jeu, je peux crever de faim, je peux crever de soif, je peux crever d'épuisement, je peux crever d'une hémorragie, je peux me casser un bras, une jambe. Voilà, c'est vraiment tout ce truc. C'est le fait que d'un coup, je prends une balle, je sais pas d'où elle vient, elle a tapé l'onde par balle, bah je suis sauvé, mais j'ai mal. Voilà, c'est des tas de petites mécaniques comme ça qui font que vraiment j'adhère au jeu. Qu'on prenne le côté Battle Royale en mode je prends mon matos, je fais une mission sur place, je m'extrais avec mon matos, et si je meurs, tout reste sur place, mais avec un gameplay à la Apex, ça me tente moins en fait. Je peux comprendre qu'il y a des gens à qui ça plaise, parce que justement, eux, par contre, le délire de Tarkov, en mode, je me promène dans la pampa, et d'un coup, j'entends pan, je suis mort, j'ai rien compris, je sais pas d'où ça vient, je peux comprendre que ça gonfle aussi. Donc, quelque part, voilà, il y a forcément, il y a une clientèle pour ça. Mais voilà, moi, j'ai peur que ce soit pas mon truc. Mon chat joue avec une mouche. Ah bah, écoute, moi, le mien est en train de dormir, là. Alors, les cheaters sur Tarkov, hein, vraiment, je sais pas à quel point c'est centralisé sur quelques serveurs, ou à quel point c'est pas juste des gens qui ils se prennent un headshot et puis ils vont rager sur Reddit en disant « Il y a des cheaters partout, j'en ai marre, regardez, machin, il m'a mis une balle dans la tête !» Bah oui, ça peut arriver, quoi. Donc, moi j'en suis à quoi? J'ai 300 heures sur Tarkov. Et j'ai pas le sentiment d'en croiser, enfin même pas tant que ça, j'ai pas le sentiment d'en croiser en fait quoi. Ça a peut-être dû m'arriver une fois ou deux, où là vraiment j'avais un vrai doute, mais sinon moi, enfin quand je me fais claquer, le bouton reporting, le chat il est en train de péter un plomb là, regardez, il réclame à manger et... Allez va bouffer, parce que là c'est n'importe quoi. Donc ouais, non vraiment j'ai pas le sentiment de... Moi, le bouton report dans Tarkov, j'ai dû l'utiliser vraiment une poignée de fois au maximum. Hein. Ouais, bah ça aussi, ça peut arriver, hein, la fameuse balle perdue. Il y a deux mecs qui se canardent, nous, on est trois collines derrière. Et d'un coup, plouf! Ah, bah voilà. Le gars chill sur son canapé avec ordi portable alors que la TV est allumée avec brillance maximale, rip la planète. Ouais, tu m'étonnes que là le bilan carbone du chill, il est cher quand même. En fait, ça ressemble à quoi un tricheur en Tarkov? En général, one shot, un gars, un kill. Bah voilà, c'est un peu tout le problème, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement punitif. La plupart des combats, vous les réglez en moins de 5 secondes, quoi. Donc... Bah un mec qui cheat, si en général, il y a beaucoup de mecs qui utilisent des bots qui visent l'œil en fait. Comme ça, même si vous avez un casque qui protège bien mais qui n'est pas fermé intégralement,
ça peut te taper dans l'œil et one shot le joueur. Mais vu que c'est quand même relativement cramé, la plupart ils mettent des détecteurs, des trucs comme ça. Enfin, j'ai vu, il y a des tas de trucs de merde à base de détecteurs sur l'écran secondaire, comme ça, c'est-à-dire que ça, s'il y a un ban, ça va être le logiciel de cheat qui va être ban, mais pas le compte du joueur, parce que c'est utilisé à part sur un autre écran. Et c'est une espèce de radar pour détecter les positions des joueurs. Et bon, enfin, dans un jeu comme Tarkov, où le fait déjà de repérer quelqu'un en premier, c'est un avantage qui est colossal, avoir un putain de radar, c'est. Voilà quoi. Et apparemment, Nikita, là, le CEO de Battle State, a communiqué il y a genre un mois de ça pour dire que oui, là, les cheaters, ils sont vraiment en train de. Ils sont vraiment en train de mettre en place un système d'anti-cheat. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà, ils ont juré qu'ils y travaillent. Bon, question importante, comment vous rechargez votre mana à la rédac quand il n'y a pas la blague qui vient, qu'aucun jeu de mots sort? Quel est votre secret? Votre recette de grand-mère, si tu réponds le bicarbonate de soude, IRH kit, bah pas loin, hein. Pas loin franchement. Non, le secret c'est de pas hésiter à penser à voix haute, je pense. Et je dis pas ça en blaguant, hein. C'est-à-dire que quand nous on est en train de. Quand on est en train de faire une conférence de rédaction, vous avez pas idée du nombre de jeux de mots vraiment nuls qui sont balancés à voix haute. Mais parce que parfois, un jeu de mots nul. Ça peut inspirer quelque chose d'autre à quelqu'un, donc lui donner une autre piste, et c'est comme ça, à force de rebondir, que voilà. Donc, ouais, non, très clairement, je pense que c'est énormément de dialogue, du dialogue, du dialogue, et voilà, et d'être suffisamment en confiance et à l'aise avec ses collègues pour savoir qu'on peut balancer une blague vraiment pourrie qu'on va pas s'embolosser dans la seconde, quoi. Parce que ça peut être tentant de dire ah, ta blague elle est nulle, machin, etc. Mais en fait, c'est un coup à couper l'herbe sous le pied des gens, en fait, et à faire en sorte que, bon, bah d'un coup, ils ont une blague de merde, bah ils vont pas la sortir parce qu'ils disent, en fait, bon, c'est juste, c'est nul, quoi, c'est une blague à papa, ça fera rire personne. Et peut-être qu'en fait, que la blague à papa, elle aurait pu inspirer une vraie vanne à quelqu'un d'autre derrière, et que, bah voilà, c'est comme ça qu'on aurait pu avancer. Donc, voilà, je pense que notre secret, c'est ça. Oui, ce chat me stresse aussi, on va bouger, parce que là. Je sais pas ce qu'il fait, il fait la toupie depuis tout à l'heure. Mais alors attendez là, parce que j'avais d'autres. Non, j'ai. Mais si, j'ai d'autres pièces normalement. Ah, ok, alors. Et pourtant, j'avais une piole que j'avais aménagée la dernière fois. C'est quoi cette histoire? Très bizarre. Très très bizarre. On va essayer de foutre quelques objets quand même. Salut ce cartilage, bienvenue. Sont-ce encore des collègues ou plus? Bah écoute, moi j'ai toujours eu pour habitude de dire que la rédac c'est un peu la seconde famille, hein. C'est un peu la seconde famille, mais au sens le plus réaliste du terme. C'est-à-dire que on rigole ensemble, on s'engueule. Comme une famille en fait quoi. C'est-à-dire que on est capable des fois de se prendre un peu la tête, mais derrière, voilà, enfin personne va en tenir rigueur parce que voilà, on a une discussion vigoureuse, mais on sait que on est au-dessus de ça en fait, que c'est plus que ce qu'on fait est plus important qu'une simple engueulade. Donc ouais, donc ça peut arriver des fois, nous ça nous arrive, hein, des fois on fait des réunions, des trucs, et puis moi le premier, hein, des fois je me mets à gueuler en disant qu'il y a un truc qui va pas ou n'importe quoi, et puis voilà, en fait ça gueule, c'est dit, c'est sorti, on acte ce qui est acté, et puis voilà, on continue d'avancer, et puis ça nous empêche pas de nous voir à côté, de s'apprécier, bah genre moi demain midi je vois Monsieur Chat, on va bouffer, enfin voilà, c'est Mais c'est sûr que voilà, enfin moi ça fait 13 ans que je suis chez Canard PC, hein, donc bah automatiquement c'est forcément un peu plus que des collègues, c'est obligé. Est-ce que le bain à Gwoom Malware a eu lieu du coup? Ah bah alors ça, normalement si vous êtes abonné au OnlyFans d'Agbou, vous devriez avoir les réponses à cette question. J'en dirai pas plus. Bon, qu'est-ce que je peux placer là?
prendre un petit canapé. Ah bah une baignoire, voilà. Bah tiens, parfait. Eh, on va se faire un, on va se faire une piole hommage à, hommage à la, à la, à la maison que Agbu avait fait là dans Flip Home Flip Simulator, là, je sais plus quoi. Allez, regardez. Tac, voilà. Hop, on commence ici. On va enchaîner. On va, il doit bien avoir un petit canapé, je pense. Hein. Voilà. Comment on tourne les objets? Voilà. Eh, eh, sans déconner. On est pas bien là. Oh putain, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh, vous allez voir. On va faire un truc fantastique. Allez, un petit tapis. Ah non, faut télécharger. Tiens, celui-là. Est-ce que je peux changer le parquet? C'est une bonne question, ça. La région rouge est votre chambre. La région rouge. Donc ça, là, c'est ma chambre. Alors, du coup, c'est quoi, ça, autour, là? Non, t'as pas moyen d'aller dans ton... Non. Ouais, c'est vrai qu'on peut choisir l'ambiance à l'extérieur. Mais après, c'est con parce que ça se voit pas... Pas beaucoup, en fait, quoi. Vous voyez, enfin, ça change vaguement la teinte, là, mais... Quand vous recrutez quelqu'un, est-ce que ces genres de jeux préférés rentrent en compte, j'imagine, dans les décisions? Genre, un candidat qui joue surtout de la gestion et de la stratégie est davantage... Waouh, j'essaie de te lire, mon gars. Et davantage parce qu'il y a déjà Agbu et Malheur qui... Alors oui, ça peut arriver quand on recrute. On recrute pas souvent parce que... Bah parce que voilà, on a déjà une équipe qui est stable en fait. Si on avait un turnover de malade, on aurait été obligé de recruter régulièrement. Mais en fait, bah voilà, chez Canard PC, les gens qui travaillent chez nous, généralement, ont tendance à rester... De nombreuses années, donc oui, si effectivement, si je devais recruter quelqu'un, ses centres d'intérêt pour entrer en ligne de compte, par exemple, je dis une bêtise, hein, mais j'ai quelqu'un qui me dit « Ah bah moi, je vous préviens, je suis un fan ultra hardcore des jeux de... on va dire des jeux de stratégie en case hexagonale en tour par tour, mais rien d'autre. » Bah, je me dis, bah, d'un côté, ça c'est un peu le turf d'Agbu, et puis à côté il pourrait rien faire, donc oui, automatiquement ça peut entrer en ligne de compte. Mais d'une façon générale, on a quand même plus tendance à recruter des gens qui sont un peu généralistes, et qui n'ont pas peur de se pencher sur tel ou tel jeu, qui ont assez de curiosité pour se pencher sur un jeu, et puis se dire, bon bah tiens, voilà, est-ce que ça peut être intéressant ou pas. Merci Razon. Alors, on va peut-être mettre un tableau ou un truc, non? Rideau, non, tac. Non, il n'y a pas de tableau, là. Ah, parfait, avec des bougies, là, regardez. On peut mettre des bougies sur le bord, là. Oh là là, génial. Oh là là, on va faire une ambiance sexy, mais alors... Si, je peux... Non. Oh, me dites pas que je peux pas le... Oh la rage, je peux pas le poser sur le... Oh merde. Oh, je suis dégoûté. J'aurais trop voulu foutre des bougies là un peu partout, genre faire une rangée de bougies. Dommage. Ah bah, porte-serviette. Hein, je pense que c'est indispensable. En plus avec cette musique là qui est parfaite, qui pose ambiance, nickel. Ah, chauffage bien sûr.
Une salle de bain sans chauffage, voyons. On n'est pas des barbares. C'est ça, exactement. La Agbu My War Room. On est complètement dedans, là. Là, il n'y a que des bouquins. Mais j'ai pas vu de tableau. Je suis assez surpris de voir que... Que dans tous les objets, là, il n'y a pas de... C'est quand même bizarre. Il y a bien un truc à foutre au mur. Est-ce qu'il y a des placards? Ok, je veux bien. Porte-serviette, admettons. Jeu de fléchette, ok. Il n'y a pas... Même avec juste une fleur de dessinée, je m'en fous, quoi. Mais au moins... Bon. Alors du coup, j'ai une autre idée. Alors, il s'appelait ça un tableau. J'appellerais plutôt ça une table basse, mais bon, admettons. Hein. Hop. Parce que bon, hein, tant qu'à faire, autant poser des petites bières, des petits trucs. Hein. N'oublie pas les couteaux, ouais non. Non, moi non plus, j'ai pas de baignoire et ouais, c'est bon. C'est un peu dommage. Hein. Bon, en même temps, quand on voit comment on est parti, est-ce qu'on peut encore bien se permettre de prendre des bains? Il doit bien y avoir des verres là. Pour accompagner cette magnifique bouteille. Voilà, la coupe elle est un peu... voilà. Bon, peut-être moins placer les bougies du coup. T'as déjà essayé de lire ton CPC dans ta douche, oui c'est sûr que là c'est un peu plus... bon. Non, non, dans le jeu il n'y a que des appartes. Enfin plus précisément il n'y a que des pièces. Il n'y a pas vraiment de notion d'escalier, d'étage, de truc, c'est juste des pièces qui ont des formes différentes et qu'on aménage. Donc après libre à nous d'imaginer que c'est un... que c'est une maison. Quoi? Réservoir de poissons? Eh ben, admettons. Ah, c'est la belle trad, hein. Qui se positionne sur le test de Chaos Gate, un fan de Warhammer 40 000 ou un fan de Tactics? Chaos Gate, pour l'instant, on l'a pas eu entre les mains et on n'a pas eu de preview. Donc, moi j'ai envie de vous dire, le jeu il va sortir, je crois, à 45 ou 50 euros. On n'a pas vu passer une seule preview, pourtant il y a eu de la communication autour. On a reçu des communiqués, des choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est... ça fait là, ça? J'ai quelques doutes, on va dire. J'ai quelques doutes. Pourtant, la note d'intention est quand même super intéressante. C'est prendre le Chaos Gate original et le remettre au goût du jour. Donc, et genre, ils s'en cachent pas. Hein. Entre le nom Chaos Gate, entre le fait qu'ils ont remasterisé un des principaux thèmes de Chaos Gate de l'époque... voilà, clairement il y a une vraie volonté de dire les gars c'est la suite de Chaos Gate ou c'est le reboot ou ce que vous voulez, mais voilà c'est un Chaos Gate. Après Chaos Gate, lui le jeu a bien vieilli, hein. Donc normalement s'ils font pas trop de conneries déjà, ils ont quand même un socle très solide sur lequel travailler. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri de on nous met un système à la con façon jeu mobile ou je sais pas quoi dedans,
on n'est jamais à l'abri d'une bêtise en fait. Donc, puis comme je vous dis, là, voilà, 45-50 euros. Je me suis dit, putain, pour remettre Chaos Gate au goût du jour, va falloir que le contenu soit là en fait pour justifier ça. Donc, on va voir. Je pense que c'est plus un remake qu'un remaster, hein, parce que si c'était un remaster, on nous aurait fait jouer les Ultramarines, et on nous aurait fait jouer en fait le Chaos Gate d'origine. Là, vu qu'on va jouer les Grey Knights à la place, qu'on va affronter Nurgle et tout, enfin bref, que des factions qu'on n'a jamais vues dans Chaos Gate, voilà, clairement remake ou suite. Tout dépend de comment on se positionne. Mais vu que c'est pas Chaos Gate 2, je pense plus remake que suite. Ou reboot. Effectivement. C'est quoi le pire? Miettes dans le bain ou miettes dans le lit? Ah, c'est vrai que j'avoue. C'est quoi le pire entre les miettes dans le bain et dans le lit? Ah putain, je saurais pas vous dire là. Parce que des miettes dans le lit, bah. Bon, voilà, il y a le côté pénible, ça pique, faut brosser le lit vite fait, etc. Putain, les miettes dans le bain. Oh. Bah c'est à quoi on va voter? Bon, ça, on va déterminer, hein. Qu'est-ce qui est le pire? Des miettes dans le bain ou des miettes dans le lit? Alors. Tac, vous avez une minute. Allez, on y va. Dites-moi tout. C'est quoi le pire? Des miettes dans le bain ou des miettes dans le lit? Bon, les miettes dans le clavier, tu sais, tu les retournes un coup, tu tapes derrière le clavier et puis ça s'en va. Hein. Ah bah oui, les grands débats de la vie, bien sûr, bien sûr. Dans le bain, le lit est réservé aux poils de chat. Ouais, c'est un peu ma vie en ce moment. Là, j'en ai un, il a roupillé tout l'après-midi dans le pieu, là. Je sens que ce soir, ça va être obligé de mettre un coup de brosse pour pas pleurer au moment d'aller se coucher. Pour l'instant, c'est très nettement quand même les miettes dans le lit hein, qui ont l'air de vous déranger. Ah bah ouais, voilà Harry, t'as loupé ton heure de gloire. Salut Kalimanudo, bienvenue. Et donc, c'est des miettes dans le lit à 78%. Oh la vache. Ah quand même, je suis partagé. Hein. Parce que sans déconner, des miettes dans le bain... Enfin en plus, bon après ça dépend des miettes. Parce que genre si c'est des miettes de... Bon admettons, des miettes de pain. Bon, il y a un côté un peu... voilà, après pêche au canard, hein, vous les raclez là. Et puis bon, ça vous fait une espèce de pâte dégueulasse. Mais bon, admettons. Mais imaginons, je sais pas, genre vous mangez des noix par exemple. Bon bah des miettes de noix, ça va pas s'imbiber d'eau. Donc ça va juste être des miettes pourries là qui vont flotter à la surface. Pire, des miettes de saucisson, imaginez-vous. Vous avez des morceaux de saucisson qui flottent à la surface de votre bain. Alors on commence à avoir des conversations là qui sont incroyables. Incroyables. Ah pas sûr que le combo oui, pain sandwich. Bain sandwich, pardon. Complètement que ça vend du rêve. C'est vrai que les coques de noix, on peut jouer au bateau avec dans le bain. Tout à fait. Tout à fait. Mais qui mange dans son bain? Mais tous les gens qui ont un bain. Si t'as un bain chez toi, obligé un jour, t'as foutu une planche et t'as becqueté dans le bain pendant que tu prenais ton bain. Avec ton téléphone dans l'autre main là pour regarder un film ou je sais pas quoi, c'est obligé. C'est obligé. Ou le strict minimum, vraiment, c'est le bain avec la planche, un verre de vin ou un truc comme ça, et puis un bouquin. Ah non, justement. Non, non, si pour toi, prendre un bain, c'est juste se laver et sortir, t'es pas un être civilisé. T'es un barbare. T'es un barbare, et l'Empire romain doit venir t'attraper, là. Tout de suite, rapidement. Pour t'éduquer. Parce que justement, là, c'est le confort ultime. T'imagines, t'es dans ton bain bien chaud avec ta mousse, là, et tu te tapes des petites fraises bien sympas en lisant un petit bouquin bien cool et tout, une petite musique dans le fond.
Voilà! Ça, c'est un bain civilisé, ça. Un bain pour se mettre dedans, se frotter, et puis ça y est, je suis propre, je sors. Attendez, les gars. Les bains, c'est dégueu. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent ça. Et je peux comprendre, parce que ça m'est déjà arrivé de prendre une douche extrêmement rapide avant de prendre un bain. Genre, tu reviens, tu t'es tapé ton jardin ou je sais pas quoi, t'es plein de terre. Bah, t'as pas envie de prendre un bain avec de la terre dans le fond. Tu te rinces vite fait, là. Les humains, c'est dégueu, ça c'est vrai. Et quand t'as fini de manger, tu fais direct la vaisselle. Mais ouais, mais ouais, mais complètement. Moi, j'ai une baignoire et j'ai horreur de prendre des bains. Ah oui, bien sûr que si t'aimes pas les bains, là par contre, là t'es mal loti, là. Ah bah putain ouais, non mais attends, déconne pas. Mais si j'avais une piscine, mais complètement que j'aurais ma petite tablette gonflable avec mon apéro dessus. Et que, je peux te garantir qu'avec les potes, on serait le cul dans la flotte à prendre l'apéro. Hein. Alors là, il n'y a aucun doute. Hein. Y a aucun doute. Ah ouais, là, le petit plateau flottant là qui va bien, là, avec les bières posées dessus. Alors pas des trucs qui font des miettes par contre, ça on est d'accord. Sûrement des cacahuètes et des machins comme ça. Parce que genre les chips, tout le monde va croquer dedans et puis t'as des bouts de chips qui vont tomber dans la piscine, ça va pas être terrible. Mais ah ouais, complètement, complètement là. Ouais, complètement. J'essaierai avec la piscine d'Yvan. Ou cet été, j'essaierai, tiens. Je vais peut-être aller en vacances chez quelqu'un qui a une piscine. Donc, si je peux, je ferai l'essai. Bah non, on a plus de piscine dans le resort CPC. Bah non, non, tout à fait. On a été obligé de le revendre. Avec la crise du papier, bah malheureusement, voilà, on a dû faire des sacrifices. Merci, inspecteur Arissa. C'est quel level d'abou pour ça en stream du coup? Bah comme je vous disais, hein, tout ça, ça se passe sur OnlyFans. Hein. Ça, vous le verrez pas sur Twitch. Ah non, même pas. Bah, ça fait des années que je milite pour avoir un toboggan qui descend de la rédac jusqu'au parking en bas, là. Mais bon, trop cher, on me dit. Trop cher, trop cher. Yvan, on a que ce mot-là à la bouche. Hein. Trop cher. Tout le temps. Mais ouais, complètement. La bouée gonflable avec les emplacements pour les verres. Mais c'est génial, ça. C'est génial. En plus, il y a les bouées qui permettent à la bouteille de tremper un peu dans la flotte. Ça fait que ta boisson reste fraîche avec l'eau de la piscine. Donc non, non, c'est fantastique, ça. Une barre comme les pompiers. C'est vrai que ce soit stylé ça pour descendre au parking. Ah bah complètement. De toute façon, là dès que le printemps des médias c'est fini, moi je demande un réajustement complet de la rédaction là. Piscine à boule et tout. Enfin non, non, ça va être un truc de dingue. Ah bah par contre, oui, si la bouée se renverse, là c'est un cauchemar à nettoyer, là. Bon, après, normalement, j'ai envie de dire, si tu prends l'apéro avec un plateau gonflable dans ta piscine, t'as pas des gosses qui viennent faire des bombes à côté, quoi, normalement. La piscine avec boule. Un avis sur le prochain Chaos Gate qui sort. Eh bah, c'est marrant que tout le monde m'en parle. Comme je vous disais, pour l'instant, prudence, 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 prudence. Le jeu est vendu très cher. Il est vendu pas au niveau d'un triple A, mais on est vraiment pas loin. Bah attendez, ouais, je suis pas en train de jouer. On peut regarder deux secondes. Hein. Bougez pas, Chaos Gate. À combien il est vendu sur Steam? Alors, ouais, 45 balles et l'édition Deluxe Collector Pouet-Pouet, 55 balles. Donc, comme je vous disais, nous, on a eu 0 preview dessus. 0, 0, 0. On a eu juste des communiqués de presse qui ont été envoyés régulièrement pour nous dire, tiens, on ajoute ça, tiens, on fait ci, tiens, on met telle faction, etc. Mais on n'a pas eu plus, voilà, on n'a pas pu mettre la main dessus. Donc, moi, le combo jeu cher... capitaliser sur la nostalgie plus absence de preview,
Voilà. Parce que si on est capable de contacter la presse pour leur dire qu'on a patché le jeu et que le développement avance bien, je pense qu'on est capable d'envoyer des clés pour des versions preview. Mais encore une fois, hein, peut-être que je me trompe, hein. De toute façon, il n'y a que le test qui le révélera. En tout cas, voilà, je suis pas en train de sabrer le jeu, je vous dis simplement, attendez les tests, n'achetez pas de but en blanc, ne précommandez pas. Salut Ska, bienvenue. De toute façon, oui, enfin, précommandez jamais. Si, il y a des cas dans lesquels vous pouvez précommander. Je pense par exemple à Total War Warhammer, où nous on a reçu le jeu ouais, bien deux semaines, voire 3 semaines avant la sortie, avec une levée d'embargo genre 10 jours avant la sortie du jeu, ce qui faisait que vous pouviez claquer une précommande en toute connaissance de cause, puisque vous aviez le temps d'aller lire les tests qui vous intéressaient pour vous forger une opinion. Par contre, voilà, précommander juste sur la base des previews, jamais, 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 jamais. Peut-être que c'est passé entre la maille de mes 1500 mails, effectivement. C'est pas une impossibilité non plus, hein. Des mails, tenez, là, le temps de discuter avec vous. On a lancé l'émission, enfin le Jazz Relax là, on l'a lancé il y a quoi? Il y a 45 minutes. Bon bah j'ai déjà 12 mails qui sont arrivés. Et on est vendredi soir. Ça en pleine journée, vous le multipliez par deux. Bah après, les précommandes, souvent, ça joue sur le petit cadeau bonus, hein. C'est ah, t'as précommandé le jeu? Bah tiens, on va t'offrir telle faction au lieu de te la vendre 5 balles en DLC. Vous voyez, il y a des leviers comme ça, hein, tout simplement. Il y a des leviers. Bah, le seul jeu... Non, les deux seuls jeux que j'ai achetés avant même de lire les tests, c'était Morrowind et Oblivion. Parce que Skyrim, moi, bah, j'avais ces mêmes qui le testaient à 5 mètres de moi, donc forcément, je savais ce qu'il en était. Mais pour Morrowind Oblivion, à l'époque, j'étais pas chez Canard PC. Et là, pour le coup, vraiment, je les avais préco, vraiment, comme un gros dégueulasse, quoi. Alors qu'en plus, à l'époque, de mémoire, il n'y avait pas de bonus, de trucs comme ça, hein, pour Morrow et Oblivion. Bon, qu'est-ce que je peux ajouter là? Voyons voir. Tiens, une petite lampe. Une petite lampe. Paf. Non, on peut pas ajouter une vitrine de figurines, malheureusement, à mon grand regret. Ouais, tout à fait. Bah, après, encore une fois, hein, Total War 3, il y avait d'un côté le levier allez précommander et on vous offre une race supplémentaire au lieu de la payer. Mais voilà, enfin, j'ai un peu de mal à leur jeter la pierre à eux précisément parce que d'ailleurs ils ont été réglo avec nous en fait. Il n'y avait pas cette volonté de vas-y, préco, fais-nous confiance, t'inquiète, ça va aller. Ils ont vraiment soumis le jeu à l'exercice du test avant même que les préco soient finis, ce qui fait que, bah, admettons que vous aviez préco avant de lire le test, vous lisez le test, vous étiez déçu, bah voilà, la préco était annulée, on n'en parlait plus quoi. Un arbre à chat, ah, c'est une bonne question ça. Mais je crois pas. Non. Non, non, non. Non, il n'y a pas. Tiens, une petite plante, hein. Allez.
très petite, hein. Elle est vraiment, vraiment très petite. Ah, on peut l'arroser. Bon, on l'arrose à côté, mais c'est pas grave. Voilà, c'est le geste qui compte. Ouais, Morgul, c'est une baignoire. C'est une pièce hommage à Malware et Agbou. Eh ben, Blam, bonne chance. Et merci d'être passé. Mais ouais, donc, toutes ces histoires de précommande, enfin, après, on aura beau dire, oui, mais il faut interdire, oui, mais c'est pas bien, machin, etc. C'est ni plus ni moins que la loi du marché, en fait. C'est... S'ils le font et que ça marche... que les gens achètent, bah, enfin, faut le faire en fait, quoi. Enfin, moi, je me mets à la place juste, à la place de juste d'une entreprise. Voilà. Enfin, si vous savez que vous allez faire X % de bénéfices en plus parce que vous mettez un DLC exclusif dégueulasse offert aux gens qui préco, je comprends qu'ils le fassent en fait. J'ai pas que c'est bien, mais je comprends la logique purement mercantile parce que faut pas qu'on l'oublie non plus. Faire du jeu vidéo, bah, c'est un métier, c'est un business. Il y a des entreprises qui en vivent, qui ont besoin de payer leurs factures à la fin du mois, leurs employés, etc. Donc, ouais, bah, au bout d'un moment, que certains on arrive à faire ce genre de choses, ouais, en fait, enfin, oui, on peut en penser plein de choses, que c'est pas bien, mais. Enfin. Voilà quoi. Bah, les NFT, pareil, complètement, hein. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. Et tant qu'il y aura des deb pour acheter. Bah, ça va exister. Moi, à titre personnel, je combattrais ça de toutes mes forces. Mais... Enfin, je veux dire, vous arrivez, vous dites « Bonjour, j'ai ça dans ma main. » Si vous me donnez au moins tant, bah, je vous le donne, c'est à vous, en fait. Peu importe ce que ça soit, un truc, hein, un bout de papier, un NFT... voilà, vous prenez le cas du NFT. Tenez, j'ai le tweet, le premier tweet du fondateur de Twitter... J'ai dans la main là, qui le veut? Ah, oh bah tenez, 2 millions! Bah tiens, vas-y, fais-moi ton fric. Hein. Puis après, bah, celui qui l'a récupéré là, qui est comme un con, qui essaie de le vendre aux enchères, et qui arrive pas à en ramasser plus de 6 000 $ là depuis une semaine, bah j'ai envie de dire, bah bien fait pour sa gueule en fait. Enfin, après, au bout d'un moment, voilà. Mais enfin, je veux dire, enfin. Quelqu'un propose un bien ou un service. On le paye dans la foulée, encore une fois, dans le respect des lois, etc. Après, ça, c'est pas tant le débat. Mais, genre, voilà, demain, je prends 3 trombones, je fais un bonhomme avec, et puis je dis, qui en veut 2 millions? Bah, s'il y a un mec qui me dit, bah tiens, 2 millions, donne-moi ton trombone. Bah, qu'est-ce que je vous dise, moi? Enfin, vas-y, donne-moi ton fric, hein. Et c'est vrai que les NFT s'apparentent sur beaucoup d'aspects au marché de l'art. Ça, on est d'accord. Complètement. Et après, voilà, c'est comme tout. C'est dès l'instant après qu'il y a des pratiques qui commencent à être crapuleuses, parce que c'est tout le problème avec les NFT, au-delà de la simple question de « Tiens, je te donne ça, ça me coûte tant, donne-moi tant, machin, etc. » Il y a aussi le fait de faire croire aux gens certaines choses. Et notamment pour les NFT, c'est ça qui fait débat depuis un moment. On fait croire... à plein de gens que il y a de l'argent magique en fait. C'est, mais si, mais regarde, mais t'achètes ça aujourd'hui là, tu vas me donner 200 $ pour l'acheter. Allez mec, hey, dans un an là, mais 2 000 $ facile minimum. Voilà le problème avec les NFT. Et ça par contre, c'est ce qu'on doit combattre. Parce qu'à la limite, derrière ce que les gens font, machin, etc., c'est une autre chose. Mais vraiment, les pratiques qui elles commencent à vraiment devenir frauduleuses, qui s'apparentent à des schémas de Ponzi, etc. Clairement, ça, il faut les combattre. Et ce qui est assez dingue, c'est que la plupart des gens, en fait, vous leur dites ça, ils rigolent, quoi. Mais si, t'inquiète, hey, donne-moi 200 $, tu verras dans un an, tu vas faire 2 000 $ avec. Bah, pourquoi tu gardes pas, en fait, ton truc, alors? Tu me dis que là, ce qui vaut 200 $ aujourd'hui, tu veux me le vendre, tu vas tout prix me le vendre. Hein. Ah là, t'es motivé. Hein. Tiens, vas-y, achète-le-moi, tu vas voir.
Mais garde-le en fait, parce que là dans un an, mec, tu vas être assis sur une mine d'or en fait. Pourquoi tu me le vends? Vous voyez, enfin, il y a des choses normalement qui percutent à peu près quand on commence à nous. Voilà. Mais pas chez tout le monde. Pas chez tout le monde, parce que bah, on n'est pas tous câblés de la même manière, parce que on n'a pas tous le même logiciel pour analyser ce genre de choses. Donc bah voilà, il y a des gens qui peuvent être un peu, j'ai envie de vous dire, un peu entre guillemets en situation de faiblesse. Donc bah faut essayer aussi de les protéger, quoi. Ah bah ça oui, mais le business du rétro gaming, c'est... Waouh, ça va loin des fois. Hein. J'avais vu des histoires, un mec qui s'est fait toper. Il vendait des jeux neufs sous blister, en fait, qui étaient des contrefaçons. C'est-à-dire qu'il faisait imprimer des boîtes de jeux qui étaient des copies conformes, en fait, des boîtes de jeux NES ou ce que vous voulez. Et quand il avait ses boîtes, en fait, il les remplissait avec de la terre ou des conneries comme ça pour atteindre le poids exact d'une boîte de jeu. Ce qui fait que les gens qui après avaient donc leur... et donc ils reblistaient et tout comme à l'époque. Enfin, c'était sophistiqué, hein. Mais en soi, ça coûtait un blister et puis deux bouts de carton, quoi. Et donc, il les remplissait pour que ça fasse le poids exact du truc. Donc vous achetez ça. Le mec qui est un peu parano... Il a foutu sur la balance, bah c'est bon, ça fait le poids, machin et tout, enfin ça a l'air d'être legit, quoi. Alors qu'en fait non, pas du tout, il achetait de la terre, quoi. Et donc un jour, bah il y en a quelques-uns qui ont voulu ouvrir leur jeu pour se faire un plaisir, là. Puis ils ont ouvert la boîte, il y avait de la terre dedans. C'est un peu compliqué. Ouais, le jeu de Schrödinger, c'est ça. C'est peut-être un jeu, c'est peut-être pas un jeu, tant qu'on l'a pas ouvert, on sait pas. Mais du coup, le jeu de Schrödinger, bah ça veut dire qu'on devrait le payer comme un jeu de Schrödinger. Au lieu de mettre 4 500 € dans un jeu là, sous prétexte qu'il est emballé sous blister, bah je sais pas, oui, mais il est neuf. Mais le seul moyen que j'ai de savoir si ton jeu il est vraiment bien neuf, qu'il est bien sous. Que ce qui est dedans, c'est bien ce que tu me promets, bah c'est de l'ouvrir en fait. Mais si je l'ouvre, ça perd sa valeur. Donc c'est là que se situe tout le. Voilà. Ah bah bien sûr, hein. Après c'est là on remonte au principe même de la spéculation, là, tout à fait. Absolument. Ouais, la psychologie du blister c'est crade. Je peux vous dire que là en ce moment, on a des amateurs de jeux de cartes à collectionner ici. Je pense à Magic, je pense à Blood and Flesh, Dragon Ball, Pokémon. Et c'est pas pour vous juger, hein, vraiment, c'est plus pour en discuter avec vous, hein, vraiment, ne vous inquiétez pas. Hein. Y a aucun lézard par rapport à ça. Parce que justement, enfin, tous autant que vous êtes, là, pour ceux qui disent oui, vous devez le connaître, le fameux ascenseur émotionnel qu'on a quand on achète un blister à 5 balles, pour genre 20 centimes de carton imprimé à l'intérieur. Et qu'on l'ouvre, et que, en fait, bah, 9 fois sur 10, on est déçu, parce qu'en fait, dedans, il n'y a rien de folichon, en fait, quoi. Mais justement, la psychologie du blister, ce truc qui fait que, bah, peut-être que dans le prochain, ça va aller. C'est un pari, en fait, on achète un pari. C'est quand on achète un blister de jeu de cartes Magic, par exemple, c'est ni plus ni moins qu'un coup de bandit manchot. Voilà, j'ai inséré ma pièce, crac crac, et puis j'attends, et je rate le résultat. Et peut-être que cette fois, j'aurai de la chance. Effectivement, ouais. Et c'est pour ça que le débat des lootbox, ça m'a toujours un peu surpris de voir que, bah, que finalement ça éclate que maintenant et que ça n'éclabousse pas vraiment trop les jeux de cartes à collectionner en fait. Qui pourtant reposent vraiment sur le même modèle. Hein. Oh les gachas sur mobile. Oh j'avais foutu le doigt dans... J'ai jamais sorti un centime, je sais pas comment. Mais j'avais foutu le doigt dans Fate Grand Order à l'époque. Il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, 3 ans de ça, je crois. Et oh putain que c'était sale. Ah la vache. Et pareil, hein, tout est fait pour nous faire goûter au truc. Hein. Allez, tiens, vas-y, offre-toi un coup de roulette là. Allez, va looter un personnage. Oh putain, la chance, t'as looté un perso qui est quand même vachement rare. Mais regarde, là, t'as ceux-là, là, ils sont ultra rares, ils sont vachement bien. Tu veux pas acheter d'autres boîtes là pour... Hein? Peut-être qu'il y a moyen.
Mais après, voilà, c'est comme tout, hein. C'est... Enfin, qu'on prenne Magic ou d'autres choses, on peut, comment je pourrais dire, rien ne nous empêche d'appréhender ça comme un véritable investissement. C'est-à-dire se dire, bah tiens, là, j'ai trouvé une carte qui vaut, je dis une connerie, genre 45 balles à la cote aujourd'hui. Et bah, je vais la mettre proprement de côté, et puis bah, je vais la ressortir dans peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, et peut-être que là, le prix aura explosé, quoi. Donc je vais la ranger propre, je vais pas m'en servir. Mais encore une fois, spéculation. Et pareil, tout ça, ça date pas d'hier, là on parlait des Panini. Moi, je me souviens qu'étant gosse, ah bon, bien sûr, les Panini, ça marchait fort déjà. Mais je me souviens d'un truc qui a notamment bien cartonné, c'était les Kratos. Je sais pas si il y en a qu'on lâche dans son souvenir sur le chat. Enfin, je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 4500 ans. Mais les Kratos, c'était des... Bah, comme des Panini, en fait, mais sauf que là, le délire, c'était que des personnages dégueulasses, en fait, qui se foutaient le doigt dans le nez, etc., avec des dessins un peu space. Et il y avait eu d'ailleurs beaucoup de... Ça avait tellement marché qu'il y avait eu beaucoup de parodies, entre guillemets, d'autres marques qui avaient essayé de faire leur Kratos à eux et tout le bastringue. Et ça... Et vraiment, enfin, les Kratos, ça avait cartonné, mais du feu de Dieu, quoi. Oui, je crois que c'était réédité il y a pas longtemps. Hein. Ouais. Et ça, pareil, le truc, voilà... T'achetais une pochette de vignettes là, et puis bah dedans, ah bah tiens, merde, celui-là je l'ai en double, ah bah tiens, celui-là je l'ai pas, machin, enfin, c'était terrible. On avait 8 ans, on se faisait dépouiller notre argent de box, notre argent de poche pour des box. Putain. Marc, de l'argent de box, c'est un peu ça au final. Hein. Mais du coup, par contre, comme tout le monde tombait quand même plus ou moins dedans, on arrivait quand même à trader assez facilement. Moi, je me souviens que, voilà, très vite, j'avais réussi à faire pas mal d'échanges avec des copains, des copines. Et on arrivait tous plus ou moins quand même à compléter nos petits albums, là. Et dans le genre aussi, les fameuses lootbox qu'on avait en gamin. Vous allez souvent vous souvenir des Babies, des Cosmics, de tous ces machins-là, là. Toutes les... Bah, c'était des pochettes surprises, en fait, des trucs. Hein. Des petites pochettes avec une figurine dedans. Puis bien sûr, il y en avait à collectionner, il y en avait 20, 25, 30 différentes. Et puis bien sûr, bah, il y en avait qui étaient plus ou moins rares, avec la possibilité parfois d'en avoir une qui avait une couleur spéciale, genre elle était pailletée, elle était dorée, elle était ce que vous voulez. Fin... Les POG aussi, ouais, effectivement, qui étaient dans ce délire. Qu'ils ont réédité il n'y a pas longtemps, là. J'ai vu ça, là, à la caisse du Carrefour à côté de la rédac. Et puis bien sûr, il y avait les fameuses cartes Dragon Ball Z. Ah ça, c'était... je crois que parmi les trucs qui ont dû foutre le bordel dans les cours de récré, alors ça a dû se poser, mais très, très haut. Ah, j'ai des souvenirs de... Le nombre de gens qui, à la cour de récré, sortaient leurs cartes pour montrer à quelqu'un, pour échanger, pour des trucs comme ça. Et forcément, au moment où l'autre il sort son paquet de cartes, il y en avait un qui arrivait, qui foutait une grande claque dans le paquet de cartes. Et alors là, je peux vous garantir, là, mais vous pouviez être entouré de gamins qui étaient gentils, qui étaient propres sur eux, qui étaient bien élevés, etc. Là, vous aviez une bande de meutants, une bande de hyènes, mais en rage, là, qui se ruaient sur les cartes. Et vous pouvez être sûr que là, le pauvre qui avait ramassé une claque... Ah, c'était fini pour lui, là. Là, s'il revoyait la moitié de son paquet, déjà, il était content. On sait qu'à la fin, on avait l'astuce, hein, c'est tu voulais voir une carte, et bah, on te sortait une carte. Ah ouais, le revisage des enfants, mais complètement. Mais c'était mais atroce, quoi. Atroce. Ouais, bah, tout à fait, ouais, j'étais à l'école de Sparte, moi. Tout à fait. On a fait la gogée, tout ça. Ah ouais, non mais enfin ouais, même ton meilleur pote sautait dans la mêlée. Ouais, moi j'ai souvenir d'un copain, Grégory, si jamais tu nous entends, qui a collé une balayette à un pote, à un mec qui avait essayé de mettre une claque justement dans mes cartes Dragon Ball. Mais j'ai cru qu'il allait le tuer, quoi.
Ah, c'était mais. Ah, on savait s'amuser à cette époque, hein. C'était le collège. Hein. Ah, c'était radical. Hein. En fait, il me demande d'avoir mes cartes. Je sors. Il y en a un à côté qui essaie de mettre une claque, en plus, qui se rate. Et je vois mon pote à côté. Bah! Il lui fout un chassé. L'autre, il s'envole. Il n'y a pas eu un mot. Ça s'est arrêté là. La guerre des billes, essayer de boire le plus longtemps de l'eau du robinet sans respirer, bah bien sûr. Bien sûr. Puis on finissait tous par étouffer et par, par recracher, puis on finissait à l'infirmerie parce qu'on avait bu 1,5 litre de flotte, et puis voilà, enfin, ouais, non mais. Putain, qu'est-ce qu'on était cons quand même. Je me souviens aussi qu'à l'époque où la Game Boy est sortie, les profs avaient été pris de court parce que pour la première fois il y avait une console portable bon marché. Contrairement à la Game Gear par exemple, qui elle était chère, donc c'était pas tout le monde qui pouvait se permettre de l'offrir à ses enfants. La Game Boy avec son écran monochrome quand même était plus accessible. Et d'un coup on a vu cette console qui a popé dans les écoles quoi. Et les profs qui étaient débordés parce que d'un coup il y avait des gamins qui avaient des consoles de jeu en salle de cours et tout. Enfin, c'était assez dingue. Ah, le chat est encore en train de glitcher, dis donc. Tiens, on va arroser la plante. Y'a rien d'autre que je peux mettre là? Y'aurait pas genre une étagère? Ah, voilà. Tac. Hop. Oui, ça coûtait moins cher en pile. Oui, tu m'étonnes. Les Game Gear, c'était mais des destructeurs de piles, quoi. Ouais, non, mais la Game Gear, on m'en avait prêté une à une époque, quand j'étais gamin. J'avais pu jouer avec pendant un mois. Et c'était. Ouais, non, c'était. Alors, oui, par contre, il y avait le kiff, hein, quand on était. T'es là, t'as 9 ans, t'es dans ton lit, tes parents t'ont dit d'aller te coucher, et hop, tu sors la console rétro-éclairée. Ah, c'était juste. C'était magnifique. Hein. Mais maintenant, voilà. Ça coûtait très cher en pile pour une utilisation vraiment nomade. C'était plus une console, je pense, transportable que portable. Allez, une petite plante. Tac. On va aménager tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il y avait les Game & Watch, mais c'était pas. Enfin, j'ai pas ressenti un raz-de-marée. Alors peut-être que c'était moi de mon côté, hein. Peut-être qu'il y a eu des écoles où c'était différent. Et moi de mon côté à l'époque, je sais qu'il y a vraiment eu un raz-de-marée quand la Game Boy est apparue, quoi. Les Game & Watch, en plus comme c'était un seul jeu, forcément on finissait par se lasser quand même assez rapidement, donc il n'y avait pas trop d'intérêt à la trimballer en permanence. Il y avait les Game & Watch, il y avait les Tiger aussi. Les Tiger qui étaient le grand concurrent de Game & Watch à l'époque. Tiens, un petit cochon. Ouf.
Salut City, bienvenue. Oui, les Game & Watch, c'est plus vieux, forcément. Ça aussi. Tetris, je sais pas si vous avez pu constater à l'époque, mais Tetris, c'est devenu rapidement, moi dans mon microcosme, en tout cas, c'est rapidement devenu le jeu des parents. J'ai vu plein de parents dans mon entourage, y compris d'ailleurs même ma propre mère, s'acheter une Game Boy juste pour jouer en boucle à Tetris. Et devenir mais des cadors, hein. C'est un truc de fou, hein. Moi j'ai ma daronne qui faisait décoller la fusée là, mais genre 2 fois par week-end. J'ai un pote pareil, quand on venait chez lui le week-end, on avait une chance sur deux que sa mère ait la Game Boy dans la main et soit en train de jouer à Tetris. C'est vrai que c'était un jeu casual en fait, quand on y repense. C'est vite pris en main, on a vite compris. Le challenge est plutôt linéaire parce qu'en fait, bah, plus on avance et plus ça accélère, il n'y a pas de spike de difficulté qui peuvent rebuter les gens. Enfin, ouais. Bah, ça me démange un let's play rétro avec de l'Amiga, de l'Amstrad, tout ça. Je sais pas trop si on aurait le droit en fait, donc c'est tout le problème parce que ça. Ça soulèverait des tas de questions légales. Mais moi, ouais, clairement, genre, installer un émulateur Amstrad là et ressortir Infernal Runner, Grisor, Cauldron. Clairement, clairement. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne. Il faudrait que j'en parle avec Grand Maître B, qui va sûrement me dire bah, c'est compliqué. Vaut mieux éviter, mais on sait jamais. Ah ouais, non, mais là, 500 mini, là, enfin. Oh putain, les gars. Mais oui, niveau émulation, il y a des trucs qui sont très propres. Hein. Très propres. Par contre, bizarrement, en émulation, l'Amiga, c'est une purge. C'est une purge parce que il faut avoir le BIOS qui correspond au jeu. Parce qu'il y a des BIOS qui sont plus ou moins incompatibles avec certains jeux. Donc, ce qui fait que parfois, bah, on veut jouer à tel jeu, ah bah merde, j'ai pas le BIOS qui correspond, le jeu plante, ou genre il passe en ralenti, en accéléré, ce que vous voulez. Donc, faut faire des recherches, faut voir le BIOS qui correspond, enfin, c'est. J'avais essayé ça à une époque, j'ai pas. J'ai vite lâché l'affaire. Ah, c'est marrant, moi j'ai tendance à préférer Cauldron le tout premier et pas le 2. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas vous dire franchement. Un jeu aussi qui m'a bien marqué sur Amstrad à l'époque, c'était. Attendez, comment il s'appelait déjà? Je crois que c'était Billy la banlieue. Attendez. J'ai regardé ça. Je crois que c'était développé par Loriciel. Ouais, c'est ça. Oh putain! Oh. Et si vous pouvez, là, faites une recherche de la pochette sur Google Images, c'est. Waouh! Oh, la bonne cassette Amstrad là! Avec le bon dessin! Avec marqué Pignol Not Dead sur un mur derrière! Et l'espèce de. Ouais, de quepon, on va dire! Mais c'est vraiment du quepon à la Renault, hein! Avec la banane, avec le. Avec le blouson en cuir. C'est vraiment du quepon à la française. Et de mémoire, ils en avaient fait deux. Ils en avaient fait deux. Et je crois que le 2 était quand même un peu plus sympa. Ne serait-ce que graphiquement. Ouais, c'est ça. Billy la banlieue 2. Et c'est surtout à celui-là que j'ai joué. Et pareil, c'est des jeux qui ont un certain charme pour nous autres Français parce que. Bah, c'était des jeux faits par des Français qui se passaient en France.
Donc tout le décor derrière, bah, c'était de la ville française, c'était Paris, son métro, c'était... Et voilà, forcément, ça avait un petit charme. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? Ah, je vois qu'il y en a un qui a... Oui, alors par contre, hein, n'allez pas nous foutre dans la merde, s'il vous plaît. On évite de parler de... Évitez de balancer des liens, des infos, des trucs sur des émulateurs un peu trop précises, parce que ça peut être répréhensible. Je sais qu'on est dans une zone grise où il y a quand même très peu de chances que ça engendre de vrais problèmes, mais il vaut mieux être prudent. Oui, dans le jeu, c'est que Billy peut jouer à la bande d'arcade. Ouais, tout à fait. Il y a diverses bandes d'arcade. Ce qui était assez ouf pour l'époque, quand même, de se dire que les mecs. En fait, c'était un peu les. C'était un peu le. Ah, je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais. Est-ce que finalement, c'était pas un peu le Shenmue ou le Yakuza de 1980, Billy la banlieue? Parce que, bah voilà, on joue son perso, on se balade dans une ville. On a des activités annexes comme passer des coups de téléphone, comme jouer à des bornes d'arcade. On pouvait acheter dans des distributeurs là, on pouvait acheter des clopes ou des bonbons, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Ah, le jeu La Gaffe là qui était oh là 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 qui était basé sur le clip de Mokhtar là. Oh là 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 là. Voilà, j'en dirai pas plus. Juste oh là 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 là. Parce que déjà, rien qu'à l'époque, la Zoubida, déjà, ça avait fait un peu, ça avait fait un petit peu scandale déjà. Imaginez-vous, hein, on est en 90, et déjà à l'époque, il y avait des gens qui avaient commencé à faire. Ah, je suis pas sûr là. Gaston Cluedo? Non, vous déconnez là, il y a eu un Cluedo édition Gaston? Putain, mais c'est vrai. Mais enfin, un Cluedo dans l'univers de Gaston. Ah bah merde alors. Ok. Et c'est Ubisoft qui avait développé ça, dis donc. Eh. À l'époque, ça s'appelait juste Ubi. Attendez voir. En 87, par Ubisoft, sorti sur Amstrad. Il s'agit d'un jeu proche du Cluedo basé sur l'univers de la bande dessinée Gaston. Bah dis donc. Le gaffophone, le diabolique instrument de Gaston Lagaffe, a été détruit. Mettez-vous dans la peau de Gaston et partez à la recherche du coupable. Mais qui parmi le personnel des éditions Dupuis a pu commettre ce geste irréparable? Il faut faire vite et trouver la solution avant que l'abominable Lontarin, agent de police, qui mène lui aussi l'enquête. Ah! Ah non, et trouver la solution, ok, je me disais, il y a un mot que j'ai loupé. Grâce à ce jeu d'aventure entièrement graphique et très facile d'utilisation, découvrez le petit monde des BD Gaston Lagaffe en parcourant l'immeuble du journal de Spirou. Eh bah ben dis donc. Donc il y a eu un Cluedo Gaston Lagaffe. Ouais, le jeu Renault Marche à l'ombre, je l'avais fait à l'époque. Il était ultra dur par contre. Ultra dur. C'était mais. C'est un truc de dingue. En gros, le délire, c'était. On voulait aller voir le concert de Renault avec notre meuf dans le jeu. Et puis, bah, avant d'aller la chercher, forcément, on s'est fait taxer sa mobylette. Donc, c'était vraiment les années 80.
Et donc du coup, bah, il fallait retrouver la mobylette, mais bien sûr la mobylette elle avait été revendue, puis désossée, donc il fallait retrouver les différentes pièces pour la rassembler, machin. Et bien sûr, il y avait de la bagarre. La bagarre, et de mémoire, je crois que la vie était symbolisée par des chopes de bière qui étaient pleines et qui se vidaient au fur et à mesure qu'on prenait des coups et qu'on en donnait. Et c'était ultra difficile. Et je crois même qu'on était en temps limité de mémoire pour retrouver la mob. Parce qu'il fallait, la retrouver et l'assembler et aller chercher notre meuf pour aller au concert avant que le concert débute, bien sûr. Sinon, trop tard. Ah bah zombie sur Amstrad, bah pareil, zombie, c'est pas le tout premier jeu d'Ubisoft, de mémoire. Ouais, c'est ça. Qui était tiré du film. Je sais pas dire si c'est un film qui s'est vraiment appelé Zombie, mais en tout cas, voilà. Qui reprenait le scénario d'un film. Allez, le petit cadeau mystère. Voilà. On sait pas. Il est là, il est sur l'étagère. Ah, puis il est gros quand même, hein. C'est un gros cadeau, hein. Non, pareil. Ah, quoique, zombie, je crois que j'ai terminé, moi. Maintenant que j'y repense. Maintenant que j'y repense, je crois que j'avais fini. J'avais joué avec un pote, je crois qu'on avait terminé, mais genre on en avait chié quoi. On avait passé tout l'après-midi dessus pour en voir le bout. Ouais, c'est ça. À la fin, tu prends l'hélico et tu t'en vas dans le soleil couchant. Putain, je l'avais fini. Et c'est vrai que tu pouvais finir le jeu sans avoir forcément le groupe complet. Tu pouvais avoir des membres du groupe qui claquaient à divers endroits et donc bien sûr la partie parfaite c'était de finir avec tout le monde dans le groupe. Ah donc Zombie serait basé sur la version européenne de Dawn of the Dead. Pourquoi il y a une baignoire dans le salon? Parce que c'est un hommage à la fameuse room que Agbu avait montée dans House Sleeping Simulator. La fameuse room malware. Moi, il y a un jeu qui me manque vraiment. Et que j'espère qu'un jour. Alors, j'espère pas qu'on aura un remake HD parce que le jeu serait quand même très limité, mais plus une suite ou un reboot remis au goût du jour. Mais ce jeu, c'est Moonstone. Vraiment. J'aimerais vraiment avoir un vrai remake pour Moonstone. C'est un jeu que j'adore. C'est. Je saurais pas vous dire pourquoi, parce qu'en plus, il est pas non plus très. Voilà, c'est pas un truc de fou, mais il y avait un petit côté Dark Souls avant l'heure qui était vraiment cool, quoi. Allez, le chat, à table. Enfin, s'il trouve ça. Je crois qu'il ne trouvera jamais ses croquettes. Ouais, un Moonstone en open world, par exemple, avec de la génération procédurale pour les niveaux, ça pourrait être cool, hein. On garde en mode. En mode pixel art, ça sert à rien de faire des trucs en 3D là. On embauche des artistes très doués pour faire du pixel art, il y en a plein. On fait tout un système d'objets magiques, pourquoi pas de craft aussi pour crafter ses propres objets. Enfin, il y a moyen de faire un truc, hein. Il y a moyen. Merci Ganjatik. 31e mois d'abonnement, dont 26 mois consécutifs. Bah dis donc.
Ah bah si je pouvais mettre des photos dans le jeu, là croyez-moi que il y aurait déjà une photo d'Agbu et de Malware dans la salle de bain. Obligé. Ça c'est. Mais bon, on peut pas. Ouais, mais Midwinter c'était rude, hein. Ah ouais, complètement. Transantarctica, j'ai pas souvenir d'avoir fait. Je vois ce que c'est, hein, mais j'ai pas souvenir de l'avoir poncé. Ouais, ça, il y a plein de jeux qui ont des remakes comme ça. Billy la banlieue, par exemple, il a eu son remake actuel là, qui s'appelle. Attendez, j'ai vu passer un instant tout à l'heure quand je cherchais les screenshots. Qui s'appelle Billy Run Again. Billy la banlieue Run Again. Qui a un remake qui a été fait pour a priori Android ou je sais pas quoi. Après, c'est pas ouf, hein, mais bon. Mais ça, ouais, enfin, il y a souvent des gens comme ça qui reprennent des jeux de leur enfance et qui font des remakes pour que ça tourne sur téléphone mobile ou des trucs dans ce style. Ouais, bah non, un stream. Bah après, un stream Vampire, comme je disais, je sais plus trop qui, il y a pas longtemps sur Twitter. Streamer la saga Bloodlines, ça me dirait bien. Mais putain, enfin 25 heures de jeu encore quoi. Donc ça veut dire bien 10 streams. Sachant en plus que aucun patch, quoi qu'on en dise, aucun patch ne peut sauver le jeu de l'effondrement dont il est victime dans Dernier Tiers. Parce que pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait, Bloodlines, le jeu est sorti avec perte et fracas à l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, l'éditeur a coupé les vivres en disant bah, c'est bon, on en a marre, vous sortez le jeu là, maintenant, tout de suite. Il y avait une ambiance délétère apparemment entre l'éditeur et le studio. L'éditeur avait carrément envoyé quelqu'un de force en interne pour surveiller les développeurs et s'assurer qu'ils bossaient. Il y avait même eu une histoire d'hamburger empoisonné. D'un coup, il y a des gens qui sont tombés malades et ils commençaient à croire que l'éditeur avait empoisonné les burgers à la cantine. Enfin, c'était parti vraiment super loin leur histoire. Et donc du coup, bah, comme ils ont pu littéralement pas finir le jeu en fait, bah, d'un jeu où ça tchatche beaucoup, où il y a beaucoup de solutions à divers problèmes, etc., bah, le dernier tiers c'est devenu un couloir, on avance, on bute tout le monde. Et ça, voilà, il y a des pages qu'on essaie de raccommoder un peu parce que bah, dans le code source ils ont retrouvé des dialogues, des machins, des trucs et tout, mais ça a pas sauvé pour autant la fin du jeu quoi. Donc du coup, ouais, Bloodlines. Si c'est pour faire 8 heures de vraie souffrance, où d'un coup le jeu c'est un tunnel, on court dans les égouts en tabassant des monstres. Oui, à peu près un tiers. Hein. Franchement, si c'est pas un tiers, c'est pas loin. Et je serais même pas étonné que ce soit même un peu plus que ça. Parce que de mémoire, le jeu se casse la gueule. Je crois que c'est quasiment. C'est après l'hôtel, il me semble. De mémoire. Il y a un hôtel hanté qu'on va visiter, qui lui par contre, c'est un des. C'est une des meilleures séquences que j'ai jamais vues dans un jeu de rôle. Mais de mémoire, pas très longtemps après, on commence à nous envoyer dans les égouts, et là c'est le début de la fin. Allez, on va rajouter un autre cadeau. Celui-ci sera plus modeste. On saura jamais pourquoi. Ouais, l'hôtel, c'est au tout début, hein, quasiment. C'est au tout début. Enfin, c'est au tout début. C'est. Ouais, encore une fois, je vous dis ça, moi. Je vous raconte ça vraiment avec mes souvenirs. Donc, il n'est pas improbable.
que je vous dise une connerie, hein, donc ne prenez pas tout ça pour argent comptant. Mais en gros, voilà, je sais qu'à l'époque, pour l'avoir fait, enfin refait, avec des patchs il y a 4 ans, 5 ans, vraiment, il y a un vrai effondrement qui est vécu sur le dernier tiers, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la fin du jeu, c'est vraiment ça, quoi. D'un coup, là, on commence à avancer et à buter tout le monde. Il n'y a plus d'autres solutions possibles. Et on arrive face au boss de fin, et la seule solution, c'est d'éclater. Enfin, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Et en fait, c'est marrant parce que, avec. Comment je pourrais dire ? Là, il y a Bloodlines 2 là, qui est en développement. Qui est d'ailleurs pareil, apparemment. Voilà, c'est des hauts et des bas, et je serais pas étonné d'apprendre dans 6 mois ou un an que le projet finalement est annulé. Mais quand ils l'ont annoncé, j'ai été surpris en fait de voir que. En fait, l'occasion, vu qu'on est à l'ère de Kickstarter et compagnie, bah, ça aurait peut-être été de réunir tous les acteurs majeurs de Bloodlines. Et puis de négocier la licence avec White Wolf, en mode, bah voilà, on va refaire le jeu, on va le finir en fait. On va tout reprendre à zéro, on va prendre un moteur qui est actuel, etc. Mais on va vous faire un reboot de Bloodlines, avec cette fois un vrai dernier tiers, un jeu vraiment fini, quoi. On veut vous montrer vraiment ce qu'on voulait faire avec le jeu à l'époque. Et là, je pense que ça aurait pu marcher, vraiment. Un miroir, oui, bien, 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 un miroir. Un miroir, est-ce qu'on a ça? Ah, merde, putain. Il n'y a pas de miroir. J'ai quand même checké, des fois, qu'il y a une mauvaise trad. Il n'y a pas. Ça prend forme cette pièce quand même. Hein. J'en suis fier. J'en suis assez fier. Ouais, les bougies, on a essayé. J'ai pu en placer une là. Mais sur la baignoire, on n'a pas le droit. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais, il n'y a pas de robinet en fait. C'est juste un bac en fait, la baignoire. Le chat a dit un truc, je crois qu'il a dit je suis en train de mourir, donnez-moi à manger. Ah, c'est con, c'est complètement bugué en fait. On lui file à bouffer mais il trouve jamais sa pâtée. N'empêche ça, à une époque où j'essayais d'acheter une maison, je me souviens j'avais visité une baraque. Où justement j'avais ça, j'avais une chambre avec la baignoire au bout. Et c'est vraiment j'ai bloqué. Hein. J'ai vu le truc, j'ai fait non, c'est pas possible. Non, une baignoire dans ma chambre, non quoi. Pourtant apparemment ça se fait. Eh ben merci Ruben. Bon week-end de 3 jours. Ah ben oui, c'est vrai que c'est Pâques. C'est Pâques, donc bientôt on va entendre des explosions dehors et c'est les enfants qui vont exploser en mangeant des chocolats à la salmonelle. Ça va être terrible. Ouais, dans le chat, y a rien à faire. Oui, ça va être génial aussi, effectivement.
Oui, ça, j'ai déjà vu des trucs comme ça, des maisons avec des salles de bain où la baignoire est au milieu de la salle de bain qui est super grande. Et ouais, effectivement, c'est chelou. Perso, je serais pas tranquille, hein. Tu te prends un bain là-dedans, là, tu te dis, mais enfin, c'est quoi l'objectif en fait, là? Pourquoi vous me foutez en plein milieu C'est vrai que ça peut être. Ouais, c'est un autre type de loot box, des Kinder surprise, effectivement, j'avoue. Et du coup, forcément, il réclame encore à bouffer. Bah oui, mais bon, c'est bugué. On a beau essayer de te faire apparaître ta nourriture, il n'y a rien à faire. T'as déjà visité un appart avec zéro cloison, la chambre, le salon, la cuisine, tout dans le même espace. Avec la baignoire. Ah oui, là, ça doit être. Ça doit être assez. façon, ça, enfin, dès l'instant qu'on essaie de louer ou acheter, bah, très souvent, on voit défiler des trucs. Enfin, hein, c'est. Ça, c'est inévitable. Ah ouais, alors du coup, mais Fratus, faut que tu nous répondes là, les WC du coup. S'il n'y a pas de cloison. Donc là, t'es en train de nous dire que les chiottes donnaient dans la pièce en fait directement. Putain, oui, les toilettes étaient dans la pièce. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je gamberge ça depuis un petit moment. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui le font et apparemment, ça a l'air de bien marcher, de faire bien marrer les gens et ça peut être super sympa, je pense. C'est d'aller visiter des subreddits complètement pétés et puis de, bah voilà, de broser le truc ensemble et puis de voir sur quoi on tombe. Je pensais pour une première en faire une peut-être avec quelqu'un à la rédac. Genre chat ou Jules par exemple. Et puis ouvrir un, je sais pas, un email, un truc, où vous pourriez nous envoyer des liens en disant bah tiens, pendant la prochaine, voilà ce que je te suggère comme c'est Reddit, comme ça nous, entre deux émissions, on peut aller voir, parce que ça évite d'ouvrir des trucs en direct et de tomber sur des conneries. Et puis ouais, voilà, d'aller broser des subreddits. J'ai vu, ils en font. Genre sur des trucs avec de la cuisine complètement flinguée, avec des gens qui nous font des trucs, mais on se dit, mais un être humain normalement constitué ne peut pas manger ça. Donc peut-être qu'il y a moyen. Voilà, je pose ça là. Ah, Fratus, par contre, non, lui, les chats étaient à part. Et heureusement, oui, effectivement, heureusement. Il y a des gens qui m'ont déjà parlé d'un truc. J'ai jamais pu en voir moi-même, et quelque part, heureusement. Mais paraîtrait qu'il y a des appartements sur Paris, en tout cas à une époque, hein, peut-être que maintenant ça se fait plus parce que ça doit plus être légal, qui louaient donc, qui étaient loués avec des chiottes, mais vous savez les chiottes pour enfants là, qu'on met dans les maternelles, les toutes petites faïences là, qui doivent être, elles doivent faire 20 cm sur 20 quoi. Vraiment les chiottes formées enfants. Et au début, la première fois qu'on m'a raconté ça, je me suis dit ouais bon ok. Et en fait, quand j'ai entendu 2-3 personnes me dire non, mais moi aussi j'en ai déjà vu dans des appartements sur Paris, et je fais, attends, c'est quoi ce bordel? Comment ça peut être légal de louer avec des chiottes pareilles? Et après, pareil, hein, peut-être que ça remonte à il y a un moment. Perso, j'ai viré la porte de ma salle de bain pour gagner de la place. Oui, 20 mètres carrés, forcément, ça peut se. On peut comprendre. Ça peut faire une zone où t'as plus besoin de débattre une porte et du coup tu gagnes un peu de place comme ça.
Ah bah ça oui, après la question de la légalité, ça on est d'accord. Hein. C'est il y a ce qui est légal et il y a ce qu'on arrive à juger et à condamner. Et c'est deux choses totalement différentes. Et pareil, ça, je me demande à quel point ça va pas changer, hein, parce que vous voyez là tout le télétravail qui est en pleine augmentation, bah, à quel point ça va pas redispatcher la population partout en France, hein, et du coup permettre plus facilement aux gens d'avoir accès à des logements décents, parce que automatiquement moins d'offres, enfin moins de demandes par rapport à l'offre sur des villes où normalement il y a une congestion qui est assez énorme. On peut espérer que bah voilà, au lieu de choper que des appartements lilliputiens à moitié déglingués, bah, que là ça fasse un peu de ménage parce que bah, voilà, il y a moins de gens qui demandent, quoi. Donc les gens auraient plus le choix, au final. Ouais, ça dépend des boîtes, hein, pour le présentiel, hein. Ça dépend des boîtes, hein. Il y a des boîtes qui battent leur appel, mais pour toutes ces boîtes où il y a des hauts profils qui peuvent être intéressants, etc. Bah, il y a plein de chasseurs de tête qui ont compris aussi que bah, leurs clients qui payent un peu moins mais qui lui se foutent du télétravail, bah, ça peut être une occasion quand ils voient qu'il y a une boîte qui bat le rappel de contacter les hauts profils de la boîte en leur disant bonjour, bah voilà, moi j'ai une boîte, elle vous propose le même job, toujours en télétravail. Alors oui, vous serez un peu moins payé, par contre, vous êtes chez vous, quoi. Et ça, notamment dans le jeu vidéo, ça se voit, hein, depuis un an et demi là. On a régulièrement des gens qui sont placés assez haut ou des retours de RH, etc., qui disent que voilà, il y a des gens avec des postes importants qui disent bah, moi, ciao, je me casse, je vais dans une boîte où je suis un peu moins payé, mais où par contre, j'ai un cadre de vie qui est carrément autre, quoi. À une époque, dans les petits apparts, il y avait des toilettes séparées juste par un paravent. Du coup, il y avait des distributeurs de papier avec la boîte à musique pour couvrir le bruit. Ouais. Ouais, ça, alors, j'ai jamais connu ça. Mais alors, j'ai des gens qui m'ont déjà parlé. Putain, la porte des chiottes qui donne sur la pièce de vie principale avec juste un paravent de merde devant. Mais allez mourir, hein, si vous voulez un truc comme ça. Hein. Si vous faites vivre des gens avec un truc comme ça, mais allez mourir. Ah ouais, pourquoi c'est la galère, l'ombre? Après, oui, il paraît que Londres, effectivement, niveau location, c'est assez coton. Du peu que j'en ai entendu parler. Jeune, j'ai visité un formidable appartement où les WC étaient dans la chambre, à 1 mètre du lit et l'évier à l'opposé de l'appart près de l'entrée. Putain, mais il y a des apparts, on a l'impression que c'est numéro bis qui a conçu le truc, quoi. Ah, c'est marrant, plus tard je réfléchis, mais j'ai eu cette chance quand même, je pense, de connaître que des apparts quand j'ai eu des locations qui étaient quand même relativement enfin propres. Dans le sens bien conçu, quoi. Salut Cam. C'est juste un stream détente comme ça, on peut te parler de ce qu'on veut. Genre, que penses-tu du retour des squats? Que penses-tu du retour des squats? On reste sur les apparts, alors bah, je sais pas, il y a une histoire sur les squats, bah, je sais pas du tout. Mais oui, effectivement, c'est un stream chill, donc on est là, on papote. Si vous avez des questions à me poser, vous me posez les questions. Vous ne vous sentez pas obligé de forcément suivre ce sujet qui est en cours. Hein. Si vous avez envie de parler d'un truc, vous posez la question et puis on peut très bien en discuter, c'est pas un problème. Et ah, les squats, ok, parce que ok, les squats de Warhammer, mais oui, ok. Si je me disais, attends, ok, je rate pas les infos, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Il y a un scandale autour des squats là, c'est quoi ce bordel? Ok, je comprends mieux.
Oui, les squats dans Warhammer. Bah cool. Cool. Pour l'instant, je suis déçu par contre du design. Je trouve que c'est très très convenu, on va dire. Vous prenez par exemple Zombicide dans l'espace là. J'ai oublié le nom. Vous savez, il y a Zombicide, le jeu de plateau, et il y a une variante sci-fi. Bah bizarrement, voilà, quand j'ai vu les figurines, j'ai pensé à ça en fait. Je me suis dit, ouais, alors cool, je suis ultra content que les squats reviennent. Après, bon, on a vu genre trois figurines, hein, donc ils ont le temps de développer. Mais voilà, c'était très, très. Enfin, j'ai vu l'armure du personnage, je me suis dit, c'est très générique, très convenu en fait. Ça aurait peut-être mérité un peu plus de. Je sais pas. Ils nous ont habitués à mieux en tout cas récemment. Une explication sur ce qu'est les squats. Ah oui, alors c'est vrai qu'effectivement, si vous connaissez pas Warhammer 40 000, ça peut être un peu compliqué. Quand Warhammer 40 000 est sorti pour la toute première fois, l'univers, en fait, c'était ni plus ni moins qu'une reskin futuriste de Warhammer. Mais littéralement, c'est-à-dire que quand vous consultiez les catalogues à l'époque, il n'y avait pas d'Eldar, tout ça, il y avait les elfes de l'espace, il y avait les orques de l'espace, littéralement, je vous mens pas, c'était les noms qui étaient donnés aux figurines à l'époque. Et donc, naturellement, il y avait les nains de l'espace. Le jeu a évolué, ils ont commencé à comprendre un peu les bienfaits du trademark pour pas se faire voler ses idées, etc. Et donc, bah, notamment, les elfes sont devenus des Eldar. Les Eldar qui, je crois, viennent de Tolkien et tout, donc à la limite, ça encore, on peut en discuter. Mais du coup, les nains sont devenus les squats. Et en fait, du jour au lendemain, les squats ont disparu du lore. On nous a juste dit, ah bah, ils sont fait manger par la tyrannide, enfin. Parce qu'en fait, en gros, les squats ne se vendaient pas bien. Donc c'était la faction qui était, je crois, la moins bien vendue de tout Warhammer 40 000. Donc ça les faisait chier, ça les faisait chier de dépenser du temps et de l'argent dans la création de figurines, de codex, etc. Donc bah, ils ont fait, bon, bah, on va arrêter, puis on va dire qu'ils sont fait manger par les tyrannides, et puis voilà. Et depuis, c'est devenu une espèce de mème chez les joueurs, en fait, qui arrêtent pas de dire, mais si, les squats sont toujours là, machin, etc. Et puis bah, forcément, des vieux grognards qui réclament à cor et à cri le retour des squats. Et donc là, il y a 2-3 semaines, bah pour le 1er avril, en fait, alors pareil, ils ont trouvé le moyen de faire ça le 1er avril, ces cons-là. Pour le 1er avril, Games Workshop qui balance une photo, enfin un trailer, avec un vaisseau qui est explosé, tout le bastringue, on se balade dedans et tout. Une porte s'ouvre et il y a un squat qui est tout seul dans une pièce. Et là, on se dit, c'est pas possible. 1er avril, un squat, enfin, vous foutez de la gueule du monde. Et genre, le lendemain ou le surlendemain, ils ont confirmé en disant, non, non, c'est pas un prank. Très clairement, les squats reviennent. Voilà. Si on te propose un Total War Warhammer 40 000, tu signes. Faut voir. J'ai peur que les mécaniques de 40 000 se marient pas très bien avec Warhammer, avec Total War. Ou alors, il faut s'inspirer de Battlefield Gothic 2. Et là, vraiment, dézoomer complètement, sortir du principe de région qu'on a dans une planète, ou à la limite, diviser une planète en 4, et puis avec région, avec 4 pôles divisés, et puis on va voir. Mais vraiment, après, faire plus, voilà, il y a une ou des galaxies dans lesquelles on va s'emparer de planètes et genre de choses. Là, par exemple, ça pourrait être un peu plus. Même si, bon, enfin, j'ai du mal à m'imaginer, par exemple, à la tête d'une légion de Space Marine, et puis devoir coloniser des galaxies entières, en fait, parce que c'est pas le boulot des. Genre, j'ai une connerie, vous prenez par exemple les Dark Angels, qui eux ont leur vaisseau monde Caliban, là, qui vogue dans l'univers. Bah eux voilà, ils sont Caliban et puis ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin d'aller coloniser dans tous les sens. Et de toute façon, ils sont pas là pour ça. Eux, c'est des guerriers. Donc ils sont appelés par l'Imperium pour aller combattre ici, là, 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 accomplir différentes missions. Ils y vont, ils font ce qu'ils ont à faire. Quand c'est fini, s'il n'y a plus besoin d'eux, ils se cassent. Fin de l'histoire. Donc voilà, j'ai un peu de mal à imaginer, même en supposant qu'on joue pas les Space Marines, qu'on joue les orques, qu'on joue des tyrannides. Enfin, il y a des notions que j'ai du mal à imaginer applicables dans un. C'est pas impossible, mais je pense que ce serait très dur. Bah bien sûr que j'ai joué à l'ombre du Racornu, bien sûr, j'avais même fait un stream dessus.
Et il y a un article qui est disponible sur notre site web et qui avait été publié dans le magazine. Tout à fait. Shadow of the Ornedrat, qui était le précurseur justement de Total War. C'était littéralement Total War avant l'heure. Mais c'est quoi les tyrannides du coup? Comment résumer ça simplement? Les tyrannides, voilà, vous voyez Alien. Donc les films Alien, tout ça, donc vous voyez ce que c'est qu'un alien. Bon bah voilà. Ou vous voyez les Zergs dans StarCraft. Voilà. Les tyrannides, c'est ça. C'est des espèces de formes primitives, de formes insectoïdes qui bouffent des planètes entières, quoi. Qui se répandent comme des nuées d'insectes. Ouais, de mémoire, Dawn of War 2, j'ai pas un souvenir impérissable. Mais ouais, de mémoire, il y avait une notion de capture de région et tout. Mais là, pareil, on se battait pour une planète, hein, il me semble. Donc on capturait des régions, des types de localisation, tout ça. Mais après, c'est pareil, dans le cadre de Warhammer 40 000, bah, finalement, se limiter à une planète, c'est peut-être un peu dommage. Parce que, bah voilà, on se bat généralement pour des secteurs, en fait, dans l'histoire de Warhammer 40 000. Plus que pour une planète. Oui, ce sont les méchants en quelque sorte, les tyrannides. Mais bon, après, enfin, pour moi, dans Warhammer 40 000, tout le monde est un peu le méchant en fait. C'est un univers sans qu'il y ait vraiment de gentils, parce que on regarde l'Imperium, c'est un totalitarisme, mais genre décuplé. Donc, enfin. Voilà, on peut pas dire que c'est les gentils de l'histoire. Vous prenez les tyrannides, ça bouffe tout ce qui bouge. Vous prenez les Nécrons, bon bah eux, on va ratiboiser toute la galaxie et tout ce qu'on trouvera jusqu'à. Si, à la limite, les taux. Les taux qui se battent, qui font un peu office d'ONU dans l'histoire, qui sont là un peu en mode bah vous nous faites tous chier à vous mettre sur la gueule, on va tous vous éradiquer, comme ça, quand il n'y aura plus personne, il n'y aura plus de guerre, on aura la paix. À la limite, on peut. Voilà. Mais sinon, enfin les orques, clairement, c'est pas des gentils non plus. Enfin, il n'y a pas de vraiment de vrais gentils dans 40 000. Oui, les taux, il y a des histoires de contrôle mental sur les populations aliens. Les tyrannides aussi ont été contrôlés, je crois, à divers moments par les Eldar, il me semble. Et pareil, il y a des histoires avec les Nécrons qui ont contrôlé, je sais plus quelle. Je sais plus si c'est des forces de l'Imperium qui ont contrôlé indirectement ou des Eldar. Oui, donc c'est pour ça, je vous dis, les taux vraiment à l'extrême limite. Hein, mais enfin, vraiment, pour moi, 40 000, c'est un univers sans gentil, en fait. C'est un univers, entre guillemets, où il n'y a que la guerre. Donc du coup, personne n'a le beau rôle, quoi. Après, bien sûr, voilà, il y a les solutions de facilité qui font que c'est les Space Marines qu'on le vend en poupe, c'est ceux qui se vendent le mieux, c'est ceux qui attirent le plus, pour un tas de raisons. Mais voilà, fondamentalement, vous demandez à quelqu'un qui connaît l'univers de Warhammer 40 000, vous lui demandez c'est qui le gentil dans l'histoire, il vous dira à chaque fois, personne, quoi. Bah du coup oui, on joue forcément un méchant. Oui. Même si bon, dans le fond, après, c'est pas vraiment ce qui est intéressant quand on joue au jeu. C'est plus un jeu de stratégie, on va peindre ses figurines, on va déployer son armée, on va établir des stratégies. Voilà, c'est ça qui est rigolo, dans le fond. Le reste, c'est un coup de peinture par-dessus, quoi. Mais qui nourrit toutes ces troupes? Bah des mondes agricoles. Vous voyez, quand je vous disais qu'on se bat pour des secteurs, c'est pas des bêtises. Il y a des. Alors certes, parfois il y a des mondes où vous allez avoir des villes, vous allez avoir des champs, vous allez avoir un peu de tout, qui vont être plus ou moins autonomes. Mais vous avez aussi énormément de mondes qui sont juste, par exemple, des mondes agricoles, dans l'univers de Warhammer 40 000, et qui sont là juste pour être exploités à 100%. Il y a juste des vaisseaux qui passent pour récolter. Et quand ils ont récolté. Il n'y a pas besoin de stocker ni rien du tout. Tout est traité après dans l'espace, dans des vaisseaux usines et tout le bastringue.
C'est juste des mondes qui sont là, voilà, pour en jachère, et donc on suit les différentes saisons autour de la planète. Il y a des mondes industriels, il y a des mondes, voilà, il y a des tas de mondes comme ça, donc ce qui fait que des fois, bah, un secteur, bah, va y avoir l'espèce de monde capital qui va servir un peu à faire vivre tout le monde, machin, etc. Et puis autour, vous avez une planète industrielle, vous avez une planète agricole, vous avez une planète qui sert à apporter de l'eau. Est-ce que je connais la chaîne DEA qui fait du storytelling de lore Warhammer? Ça me dit rien. S'il n'y a pas de gentil, il ne peut pas y avoir de méchant. J'avoue. C'est vrai que les tyrannides, ça peut être discutable. Parce qu'en soi, c'est juste... bah, c'est des insectes, en fait. Donc, bah, ce qu'ils font, c'est bouffer et se reproduire. Ils font pas ça à dessein, en fait. Ouais, le lore de fantasy aussi, il est pas inintéressant. Il est pas inintéressant. Après, moi, je suis moins fan de l'évolution Age of Sigmar, qui pour moi est plus un Warhammer 40 000 avec des épées et des boucliers. Mais... Ah ouais, bah, Bruval, Fabusa, il est bon, le mec. Hein. Franchement, il est super bon. Là, si vraiment, vous connaissez même pas beaucoup l'univers de 40 000... et que vous voulez vraiment vous fendre la gueule, vous allez voir donc Bruval Fabusa sur YouTube. C'est un mec en fait qui fait des... Bah, qui fait des sauce park en fait avec des dessins de Warhammer 40 000. Littéralement. Donc il reprend des dessins genre de l'Empereur, notamment il y a la série phare qui est si l'Empereur avait un device text-to-speech. Vous savez, il y a des trucs où on tape le texte et où ça lit la phrase derrière pour nous. Et donc, il fait parler l'empereur avec du texte to speech, et en gros, le scénario, c'est bah, en fait, l'empereur sur son trône d'or, qui est donc en fait une espèce de squelette mort-vivant, en fait, bah, vient de reprendre conscience. Il se rend compte qu'il est bloqué dans son corps, et que voilà, mais bah, il prend conscience, donc du coup, bah, il pose des questions à son plus proche serviteur, qui est, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, il y a un gars qui est là, en fait, et qui lui dit, bah voilà, donc, voilà où on en est, en fait. Et donc, ce qui fait que par l'intermédiaire de l'empereur, l'empereur pose des questions à son serviteur, lui dit, bah voilà, que sont devenus mes légions, où en sont nos ennemis, machin et tout. Et donc, du coup, il explique le lore, mais il explique le lore en rigolant en même temps du lore. Donc, dès qu'il y a des trucs qui sont débiles, qui n'ont pas trop de sens, n'importe quoi, bah en fait, l'empereur est là pour raccrocher les wagons avec la réalité et dire, mais c'est complètement con ce que tu me dis là, mais vous êtes devenu débile ou quoi, pourquoi vous faites ça, quoi. Et vraiment, il y a des passages qui sont vraiment à mourir de rire. Donc vraiment, je vous recommande. C'est vraiment une très très bonne chaîne. Et notamment, une fois, il avait fait une short qui, moi, m'avait fait mourir de rire. Mais là, faut connaître un peu le lore de Warhammer 40 000, un peu plus précisément. Il avait fait une vidéo Happy Sanguinus Day, qui est en fait le jour, normalement, où on célèbre la mort de Sanguinus, qui est le primarque des espèces marines Blood Angels. Et sauf qu'en fait, les Blood Angels ont dans leur génome, ils ont, comme beaucoup de gens espèces marines, ils ont forcément le génome de leur primarque. Et sauf que eux, en fait, ils ont une espèce de génome maudit, et ils revivent des trucs de leur primarque, en fait, par des visions, par des flashs et tout. Et donc, du coup, pendant Sanguinus Day, on suppose, du coup, qu'ils doivent être déprimés, ils doivent être abattus et tout, parce que bah, ils revoient la mort de leur primarque en boucle, quoi. Et donc, du coup, il avait fait une vidéo Happy Sanguinus Day, avec une musique toute joyeuse, et ça enchaîne en voyant des espèces marines qui sont en train de pleurer sur place et avec une petite musique à la fin. Enfin, c'était incroyable, quoi. Vraiment, le gars est incroyable. Et c'est vrai que voilà, le lore est pété, en fait, quoi. Le lore est pété parce que quand on commence à vraiment s'intéresser au lore de 40 000, bah en fait, c'est un truc qui s'est tellement étiré sur la longueur, qui a tellement essayé d'être plus ou moins justifié par moment et tout. Bah, des fois, il y a des trucs, il y a un gars qui a écrit un bouquin il y a 25 ans. Et qui là, d'un coup, est totalement contredit parce qu'il y a un autre bouquin qui est sorti ou un codex ou n'importe quoi qui pointe un truc. Et puis en fait, bah, à la relecture et tout, tout est passé parce que bah, personne n'a fait gaffe parce que bah, y a une connaissance encyclopédique sinon qui serait à savoir. Et donc, du coup, bah, parfois, ouais, y a des trucs pas cohérents comme ça qui ressortent de l'univers. Ah, il a arrêté finalement à cause de Games Workshop? Parce que je sais qu'à une époque, c'était en bisbise avec sa chaîne.
Parce que justement, ils se prenaient des tirs d'artillerie de GW. Mais en fait, c'était en ping-pong. C'est-à-dire que ils se prenaient un tir d'artillerie du service juridique. Et puis derrière, il y avait tout le service community management, etc., qui revenait en disant non, 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 t'inquiète, c'est bon, on gère. Ils sont un peu énervés, on va les calmer, ça va aller. Et donc, il y a souvent eu comme ça des moments de yo-yo, du genre, bah désolé, là je produis rien parce qu'on m'a dit d'arrêter. Puis genre un mois plus tard, bon bah c'est bon, en fait, on m'a dit que c'est. Voilà. Mais du coup, donc là, il a arrêté pour de bon. Merde alors. Bon, après, faut dire que il faisait son beurre avec littéralement des dessins qui lui appartenaient pas. Hein. Il chopait vraiment les dessins des illustrations produites par Games Workshop pour les découper et les animer comme dans South Park. Donc ouais, automatiquement, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, si lui, ça lui génère des revenus et tout, que là, GW commence à faire... Excusez-nous, c'est à nous ça en fait. Est-ce que ça vous le fait aussi en vieillissant le degré de tolérance aux incohérences? Bah écoute, je me suis jamais vraiment posé la question, mais moi non. Oui, mais il y a un élément du lore qui explique précisément les incohérences. La retranscription de l'histoire est extrêmement difficile dans un âge de ténèbres pareil. Ça, c'est vrai. C'est vrai. L'univers de Warhammer 40 000, et c'est pour ça quelque part moi que je continue de m'y intéresser. Parce que c'est en fait, on considère qu'il y a beaucoup de choses qui se sont perdues dans le fait que d'un coup, l'humanité a trouvé le moyen de coloniser l'univers en fait. Donc, elle s'est répandue à toute vitesse. Et donc, avec tout ce que ça impliquait, comme perte de contact, perte de savoir, etc. Parce que d'un coup, bah, lui qui était le seul à savoir fabriquer tel ou tel truc, bah, il est mort dans une explosion de vaisseau et plus personne n'a su le faire. On a perdu tel savoir parce que les archives, on sait plus du tout à son passé, parce que bah il y a des archives dans l'univers entier. Enfin, donc c'est ouais, c'est un univers assez ténébreux, et donc c'est vrai que pour ça peut expliquer beaucoup de choses. Après, Vampire, pour parler d'Alpha Burazza, si j'écorche pas son pseudo, pour lui là ça va être quand même plus compliqué de justifier beaucoup de choses. Parce que la dernière mouture de Vampire part quand même du principe que l'exception est devenue la règle en fait. Et ce qui est très bien par contre, hein, d'un point de vue vraiment strictement game design et lore design, c'est super intéressant parce que Vampire, avec les éditions successives, c'est devenu un jeu qui était boursouflé au niveau du lore, à tel point que ça devenait intimidant pour les gens qui voulaient s'y mettre. Quelqu'un qui connaissait pas trop l'univers et qui se disait, ah bah tiens, j'ai acheté le livre et je vais faire jouer des gens. Ça faisait peur en fait, parce que vraiment vous vous retrouviez d'un coup avec un jeu qui, bah en fait, on avait l'impression qu'il y avait tellement de lore que d'un coup, attends, si je retire le caillou là, ou si je cogne ce caillou là, est-ce que ça va pas faire un effondrement généralisé du truc en fait? Donc là, ils sont partis dans un délire maintenant où, voilà, tous les délires de pouvoir centraliser tout le monde qui sait tout, surtout en permanence et tout, on arrête et on considère qu'il y a des spécificités locales vraiment qui sont un peu partout à droite à gauche et qui permettent de faire en sorte que bah voilà, ici, voilà comment on gère nous la Camarilla. Bah voilà, sur le papier la Camarilla, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais bah là, il y a une petite différence. Ah bah ici, c'est pas du tout comme ça. Ah bah là, c'est exactement comme ça. Voilà. Ce qui est que chacun peut réussir un peu à manager ça un peu à sa sauce et à faire jouer des gens sans flipper d'exploser le lore avec une connerie qu'on pourrait dire comme ça à voix haute. Bah ouais, mais il veut pas manger, regardez. Il trouve pas sa pâtée. Exactement, les midi-chloriens. Le truc qui a failli flinguer Star Wars, quoi. Star Wars, c'est du mythe. C'est... Voilà, le concept de la force, c'est quelque chose qui est à la fois compréhensible et inexplicable. Parce qu'il y a un côté purement mythique dans la façon dont on appréhende la force. Là, vouloir débarquer et dire, attendez, la force, bougez pas, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Non, faites pas ça. Faites surtout pas ça, quoi. Et pareil pour Vampire, hein. Si Vampire, s'il faisait la connerie pour Vampire la mascarade, là, de dire, ah non, mais attendez, les vampires, on va vous expliquer comment ça fonctionne en vrai, dans le bouquin, avec des trucs... là, ce serait une connerie, ça. Eh ben, c'est l'heure. C'est l'heure. On a fini ce chillax relax. Moi, ça va être l'heure de manger parce qu'il se fait tard, mine de rien. Enfin, il se fait tard.
En tout cas, il se fait l'heure de manger. Bougez pas. Est-ce que je peux pas vous envoyer raider quelqu'un là? Alors, qui est-ce qui est en ligne? Eh ben allez, on va vous envoyer chez le copain Gilles Stella, tiens. Hop. T'es en train de jouer à Sonic apparemment. Vous bougez pas. On prépare tout ça tranquillement. Voilà. Eh ben nickel. Eh ben écoutez, merci encore une fois d'avoir passé cette fin de semaine en ma compagnie. C'était extrêmement agréable. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et vraiment j'aime beaucoup ce concept d'émission et voilà, je pense qu'on va essayer de le faire un peu plus souvent parce que voilà, c'est relaxant et c'est tout à fait le but recherché. Donc je vous envoie chez Justella, comme d'habitude, n'oubliez pas, vous représentez la communauté Canard PC, donc bienveillance, gentillesse, aimabilité, bref, vous êtes des amours comme vous savez aussi bien le faire et puis bah, ça va bien se passer. Sur ce, à la prochaine.